Donc on va farmer, en tout cas, pour essayer de passer ce petit boss, donc Monsieur le Pendu. On va vous montrer tout de suite. Donc dernier boss du mode normal. Donc il vous affiche comme qu'il faut être à peu près en moyenne à 95. C'est un mob qui a vraiment une strat, celui-là, à comparer des autres boss. C'est vraiment lui, il y a une vraie strat à faire. Et comme vous pouvez voir, en mode difficile, vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5 boss qu'on connaît. Donc jusqu'à Marforge, on connaît. Et après, on a donc l'Entraveur, Oh, t'as le que ça comme Margivre zip. et la Forteresse de Magma. Forteresse de Magma a l'air d'être un pendu en version serpent, quoi. Ouais. Eh bah, nickel. Eh bah, on y va. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, ici, sur mon viseur, vous voyez, il y a un truc qui lui sort de la bouche. En gros, le but va être de lui exploser son shield le plus rapidement possible, lui baisser le maximum de points de vie. Et quand en dessous de lui, il y a une genre de jauge de carburant qui se remplit. Quand en fait le carburant est full, il fait un genre d'ulti qui peut presque oublier tout le monde. Donc le but va être. Il one shot, l'ulti one shot. Voilà. C'est que t'es 1 milliard d'HP, il one shot. Donc le but est de choper l'item au milieu avant que tout soit chargé. Il y en a un qui court avec l'item en boucle pour éviter justement de crever. Parce qu'il va prendre toutes les attaques de l'ennemi. Et pendant que nous on lui DPS au max, sachant qu'il faudra qu'on tire dans la bouche pour son item quoi. Pour son item, pour son Oh, pour dire la chose. Ouais. Son carburant. Il y a quand même un million de DPS, ça c'est cool. Ça marche le début. Et après une fois qu'on va être sur la course folle, le mec a trompé, on est mort quoi, avec les lasers qui font toute la zone quoi. Ah non, si c'est un peu coupé, on peut être plus en même temps voir ce qu'elle est, ce qu'il y a dans sa bouche, et la rouge on les a pas. Sur le laser et les autres ils sont où? Ah, les autres ils sont en unité open bar. C'est ça le truc. Ah, mais ça. Parce que je mid quasiment le laser, mais les autres paliers font pas grand chose quoi. Ah, oui, d'accord, ouais, d'accord. Et incapacitant, ok. Ah, bah là, notre. Ah, y a pas de munitions blanches, bâtard. Hein?
Viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi, viens vers moi. Je vais côté. De rien. Il reste deux bras et le dessus de la tête. Et un aileron à l'arrière. Je crois. Allez, Toto, on peut passer. Yeah, baba! Eh, hey, one try, putain, one try. Putain, c'est bon ça. Enfin, one try pour la vidéo. Nombre de fois qu'on a dû essayer de... Bah j'ai dû faire une bonne dizaine, vingtaine de fois quoi. Mais justement à chaque fois en fait tu me tapais des mecs qui bah qui se suicidaient quoi. Moi je l'ai fait une dizaine de fois avant d'aller voir comment il fallait faire sur internet et tout. Là il peut me donner quoi? Destin chamblé grec, je l'ai déjà. Et là c'est quoi? Oh j'aimerais bien voir le petit truc là chez des pro team là. Je crois que j'ai pas encore. Dévotion, mais je m'en fous, j'ai déjà ce revolver. A chaque fois, à chaque fois. Mais au moins, on peut finir notre quête avec les gâteurs. Au moins, c'est fait. Ah, du coup, la quête a été faite là, la quête secondaire. Qu'est-ce qu'il va nous dire de se faire après? Bah, justement, peut-être te dire attention, certains ennemis reviennent encore plus puissants. Si, j'avais parlé à l'instructeur Kratos de nouvelles dimensions. Qu'est-ce qu'il veut, les gâteaux? Alors, instructeur Hopper. J'étais impressionné d'apprendre que tu as réussi à intercepter le pont du... Je te tire mon chapeau, le gâteau. Je dois t'informer qu'un autre colosse doit être intercepté. Si navré de gâcher ce moment de joie, mais je compte. Cette fois-ci, Sénèque a envoyé une alerte d'urgence. Le QG nous a donné des informations confidentielles. Ingris subit des conséquences de destruction du cœur du fer qui s'est répandu à travers le néant. La présence du bourreau en est la preuve. Il s'agit du prochain colosse intercepté. Ouais, donc c'est le premier du mode difficile, quoi. C'est ça. Sa lame est bien plus affûtée et sa peau bien plus résistante. C'est la raison pour laquelle nous comptons sur toi. Je vais t'accorder. Hein? Je vais accorder à ton obside les permissions de subalterne du commandant des opérations conversion. Merde, j'ai pas le temps de lire. Approbateur alpha, commandant opérationnel, terminé. Catalyseur de cristallisation. Et là maintenant, buter le bourreau en mode difficile. Alors celui-là, il est par contre. Puissance des compétences plus 1,5%. Et puissance des armes à feu plus 2,8%. Avec les deux pièces que j'ai eues sur le meuble. Mm. Il y en a 7. Si j'ai les 4, j'ai 5,9 de taux de crit. Des armes à feu. Et plus 21% de taux de crit des compétences. Qui est plutôt bien pour Bunny. Tu m'étonnes. Vous voulez qu'on essaie du coup le direct, le bourreau ou... Ah, on peut essayer, on peut essayer. Je vais juste... juste regarder un truc, je vais tester, juste améliorer en fait un... Parce que je viens de changer mon fusil à pompe pour un lanceur tant qu'à faire. Parce que là, le fusil à pompe va pas me servir grand chose sur eux. Je vais ranger le fusil à pompe. Inventaire. Mon fusil à pompe, 173 000, c'est celui-là. Je peux l'améliorer, lui. Et d'où je peux l'améliorer? Et je vais faire passer un fusil d'assaut parce qu'il a l'air d'être plus puissant de base que mon arme. Où est-ce qu'il est? Le blanc, 105. Et donc un qui a niveau 100, on va prendre lui. Des carrés tout crit. Hop, pas plus. Tac.
que toi, même si la dévo est très sympa pour les colosses, toi, je suis moins fan de son gameplay. Enfin, les gameplays des mitrailleuses de base, je suis beaucoup moins fan. Eh ben, je peux lancer. Moi, je suis prêt. Je l'avais muré, celui-là. Oh, putain, poteau. Et bourreau, et ensuite, noce funèbre. Oh, la salope qui nous avait fait chier au début. Tu me dis quand t'es prêt. Oh, et eh ben bien, c'est le bourreau qui permet de décrypter 6% du code de Gleutim. Et de Vieza. Putain, c'est des pièces de Vieza ultime aussi. Et des piques. Oh, il fait tout. Il fait plein d'ultis. Ah bah, hey, chaque bouboule, t'as un personnage. Le premier, t'as cellule d'amélioration pour Vieza ultime. Le deuxième, les que tu peux décrypter avec le bourreau difficile. Le premier, c'est, Vieza, oui. C'est une pièce de Vieza ultime. Le deuxième, c'est une cellule améliorée de Ajax ultime. Ah oui, tu les vois comme ça ici. Le code de Glay ultime. Et le dernier, c'est l'épic ultime. Ouais, donc il m'en manque... Vieza. Ah, combien 5 ou 6 Ajax ultime. Ouais, c'est 6%, le truc ça vaut pas le coup, c'est comme si tu faisais les réacteurs 6%. Ah mais regarde, c'est comme ça que j'ai eu la pièce de glaire, hein. C'est un truc à genre à 5 ou 6%. Mais ils sont tous à 6%, toutes les pièces comme ça sont à 6%. Ouais, mais je sais, justement, j'ai eu quand même le cul de la barre, quoi. J'ai eu le premier item, mais il me manque les 3 autres, là, le code et les 2 autres cellules et je sais pas. Oh, ce qui était plus. Parce que c'est le seul lanceur haut level que j'avais. Ils m'ont pété mon shield dans 2 secondes. Sur un décor. Oh, c'est bon. C'est bon. Le plus chiant va être quand il va être immunisé, tu sais, avec son petit truc sur le dos là. C'est son arme. Non, l'arme c'est le, notre funèbre. Lui c'est dans le dos qu'il y a le truc qui sort, quoi. Allez, immunisé. Ouais,
chaos devant le mec. Le point de vue. Ouais, tout, ouais. Oui, mais le shield complet est pété. Ah oui. Dès que tu me bloques, tu bloques, je le. Il y a les cornes aussi. Sur la corne principale, il a les deux côtés qui sont. Qui sont pas pétés encore. Ouais. Et le diamant du torse aussi, je crois. Du temps c'est son immortalité là c'est... parce que là le la niveau DPS on est plus bon là. Le pif.
Wesh. Ça m'a pas TP. J'étais KO, mon ulti a commencé sur le top. Allez, tout m'a dessus, tout m'a dessus. Ah putain, non. Il est électrique le mec. Non, pas toi, lui il est de base électrique donc il, le plus gros de ses points faibles il doit être protégé. Ah bah je suis au sol. Première fois que je suis au sol. Non mais là 30 secondes c'est trop juste pour le. Ah, je suis bloqué, pourquoi je peux pas sauter? Je pouvais plus sauter? Ah, ça m'arrive des fois aussi, je sais pas pourquoi. De toute façon, là c'était trop juste pour le machin. Dommage. Dommage. Pas passé loin. Est-ce qu'il restait même pas un quart des points de vie quoi. Et je trouve plus sympa que le premier c'est pas bourreau, c'est le. C'est bourreau. Ce mob là c'est le bourreau, oui. Ah, bah, non, le mieux que le marche, c'est le bourreau. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes. Non, ah celui, oui. Celui qu'on vient affronter, c'est le bourreau. Oui, parce que en fait, le premier boss. Marche tombe. Normal, c'est le marche tombe. Ouais. Ok, c'est pour ça. Mais je le trouve mieux que le bourreau. Mieux que le, celui de l'autre, quoi. Bah, marche tombe, moi j'aime bien, hein, de base. Hein. Ça fait un peu alien, ça fait un peu. Voilà, je trouve sympa. Le mieux que l'autre marche tombe, justement. Que l'autre bourreau, pardon. Bah là, les deux bourreaux, c'est juste qu'il a des patates plus puissantes, c'est tout. Et encore ça, parce qu'ils auraient pu rajouter, tu sais, des malus, genre zone électrique, machin, tu sais, pour augmenter la difficulté, toi. Puis tu peux relancer sans revenir à... Oui, mais moi, j'étais parti chercher des armes que j'ai mis dans l'inventaire. Ah, changer tes armes. Ouais. Ne t'inquiète pas, je connais. Hein. Deux Bunny et deux Ajax. Pourquoi je vous vois en dessous? Pourquoi je vous vois en dessous du sol? Moi? Ouais, c'était chelou. Ouais, mais je sais, mais moi je te. Moi... Tu regarderas sur le stream, c'était mort. Ouais. C'est épais ça qui me passer. Ah, j'ai mis mon petit coup.
J'ai l'impression qu'on a chouillé un peu rapide sur le DPS. Parce que en un quart du temps, on a quasiment pété tout le... Tout le shit complet. Là je vais pas le le temps, il passe beaucoup trop vite.
Bah moi aussi. J'ai un petit rollback sur la roulade, c'était un peu chiant. C'est son épée là ? Ouais. Oh l'enculé ! Non ! Non ! Putain ! J'ai marqué un pécheur de mes couilles ! J'ai vu te pousser, j'ai essayé de t'approcher plus vite, mais... Putain de Martin pêcheur de mes couilles. Voilà, vache quoi. Putain, c'est chiant qu'en fait, une fois qu'on a fait les sanctions, on n'arrive plus à faire assez DPS quoi. Tu te crois avoir une chute pareille, hein. Après, t'as mis des modules pour pouvoir mettre des points de vue. C'est la résistance aussi que tu mets. La défense. Ouais, t'as un réveilleur, mais tu peux t'aider module aussi qui booste ta résistance. Ouais, mais sur Bunny, t'as la potion. Oui, non, mais pour Bunny de base, non, mais là pour le colosse, oui. Oui, pour le colosse. Pour les boss, c'est pour ça. Pour dire, moi, sur la jack, j'ai mis full PV, full shield et full défense, plus full. Attends, j'ai rallié. Cette défense d'attribut. Ajax, je pense que. Ouais, ça, les ventes d'attributs. Résistance de tous les attributs. Alors, j'ai baissé le coût de. J'ai baissé le coût de. PM augmenté, PV augmenté, défense 44%, plus augmentation de la puissance des compétences de 6,2%, bouclier 151% de plus, défense plus 100%. Pour te dire, j'ai 1400 PV et j'ai. 3000 de défense. Là, je peux encore l'augmenter, hein, parce que j'ai eu deux cristallisations et un autre truc. C'est je vais prendre. Des armes à feu. C'est quoi des je vais prendre l'épique, vu qu'il y a le. Vu qu'il a tel trou noir du TPS, peut-être augmenter des DPS. J'ai 3000 de défense, mais par contre, j'ai 640 de bouclier et 1400 de PV. J'ai 28905 de défense. 22655 de DPS, attaque des armes à feu, puissance des compétences 11000, défense 28000, bouclier 10000, non 1002, pardon, 1002, 3007 de PV et 239 de PM max.
Ok, c'est genre, il me reste un emplacement pour survenir, un emplacement pour la défense ou des trucs comme ça, quoi. Disons que t'as pas encore utilisé les trucs pour le baisser le. Pour rework non, le non. Personnage. Tu les gardes pour les ultimes. Bah surtout je garde pour les ultimes que je vais plus m'en servir que. Ouais, ce que j'ai. De toute façon, en dehors des persos qui ont pas d'ultime, toi. Le reste, c'est vrai quoi. C'est une fois que t'as un ultime, là tu peux vraiment faire plaisir. Le truc, c'est que je me demande, c'est toi, si je le mets sur Bunny, est-ce que sans Bunny ultime, ça sera pareil? Bunny ultime, en fait, c'est Bunny, mais avec les statistiques de base du personnage sont plus élevées. Oui, un petit peu plus élevées. Ouais. Et je veux dire, est-ce que en gros, si je l'améliore Bunny, est-ce que ça améliore ses Bunny ultime? Ah bah non, c'est un nouveau, c'est considéré comme un nouveau personnage, Bunny ultime. Ah là par contre il y a des rushs là. Wow. J'ai encore entendu des BT. Ah ouais. Il est nickel pour ce BT. Vraiment. Il arrête pas de se barrer quoi. Christophe butait 4 Martha Pêcheur en même temps. Ouais, j'ai pris une foudre en plein vol. Il reste un PV, j'ai pris la foudre pendant le TP, c'est bâtard. Oh, ils ont tué. Ouais, moi c'est plus de PV et j'ai pris la grosse bouboule épée. Non, c'est je vais faire la
Terminé. Oh wow, il me tire en l'air. Ah, je me suis pris une double éclair. Wesh, il vise l'autre. Je m'en vais pour aller. Son shield est mort, il accélère, j'ai l'impression qu'il accélère ses attaques. Bah en dehors d'accélérer ses attaques, surtout que il a l'impression qu'il a augmenté la défense, toi. Est-ce que vous passez votre bille au sol, vous deux? Il reste moins d'un quart des points de vie, moins d'un quart de machin, on a vraiment 0 DPS quoi. Il va falloir up avant de pouvoir le faire. C'est ce que je dis, il va falloir up les comptes avant de pouvoir vraiment le farcir. Il manque cruellement de DPS pour pouvoir le faire. Dégâts totaux. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 11 067 000.
J'ai un B8. Attends. Ah non, pardon. 18B. 7. Hein? 18B7 de dégâts. 18B7? Ouais, bah t'as 18 millions. 18 millions, c'est pas bien. Ah mais moi j'ai pas de B, moi c'est juste. Moi j'ai tous les chiffres. 11 067 007 de dégâts totaux. Non mais j'ai pas de B, mais c'est juste que moi ça c'est. Parce que B c'est billion. Donc c'est au-dessus du. C'est plus que milliard quoi. Du coup, si tu veux, on peut aller farmer. Ouais, moi, j'ai pas farmé en live. Moi, pour farming, je serai hors live. Je vais pas le farmer en live. Bon, bah, je pense qu'on va couper là, de toute façon, pour la vidéo. De toute façon, au moins, on a fini de dire la dernière quête, au dernier boss du mode normal. Je sais pas si on va rajouter du contenu. Je pense qu'il y en aura. Vu que... Alors, en contenu, je parle hors... hors combat de boss, bien évidemment. Parce que à la fin du scénar, on voit, tu sais, comme quoi on n'a pas affronté encore le boss là, Karel, qui fuit et tout. Donc, à mon avis, ça va être comme Destiny. Je pense qu'il va y avoir des petites mages avec du contenu, des raids, des trucs comme ça qui vont apparaître. Le bourreau difficile pour le code de Glee ultime. Oui, il est dedans, oui. Mais en mode difficile. Oui, on va être difficile. Et le bourreau, on n'y a toujours pas atteint. Bah, on y est. Ah, si. C'est ce qu'on fait là. C'est celui-là. Mais du coup, mais t'as pas avec les ultimes, du coup. J'ai avec les ultimes, mais j'ai pas eu avec le bourreau sur sa pièce. Regarde. Attends. Tac. Ah, comment tu l'as eu? Tac. Et du coup, comment tu l'as eu? Bah, en décryptant des trucs, ils m'ont filé la pièce. En décryptant? Oui, en décryptant des orbes. Et ben, j'avais un truc à 2 ou 3% et ça m'a filé la pièce, c'est ce que je disais. J'avais envoyé la... Non, c'est pas toi que j'ai envoyé la photo, c'est de la crazy. Non, bah non. Il y en a un que j'ai envoyé justement la photo bon, ça, dans les... Je vois pas de quoi tu parles là, les orbes. Quand je te parle d'orbes, c'est le même truc que pour les codes ou les trucs qu'on a dans les modules de... tu sais, des bah, trucs du néant là. Ça doit être marqué dans voir. Mais j'ai plus j'avais pris en photo, j'ai envoyé à quelqu'un qui me l'a demandé justement. Et bah je sais plus qui c'est. Si je le retrouve dans mon channel de discussion, je te enverrai. Faut que je regarde, non, pas besoin de voir là, puis faut que je regarde ici du coup. Code de Glee ultime, le 125. Que tu utilises où? Est-ce qu'ils le disent? Le 126, pardon. Code de glé, non, je m'en fiche. Putain, si je fais ça. GL. Glé. Bon, je reste. Non. Le 126. Surtout partager, liker et ouvrir.